Ravi de vous retrouver ici au Temple Wallon à La Haye, aux Pays-Bas. C'est le deuxième dimanche du carême où on lit habituellement le récit de la transfiguration de Jésus sur la montagne. Nous venons d'écouter un très beau morceau d'orgue au Mensch bewein dein Sünde groß, composé par Johann Sebastian Bach. Chers frères, chères sœurs, chers amis, un grand bienvenue à vous tous et à vous toutes, qui que vous soyez, quelle que soit votre origine, chacun et chacune est accueilli comme il ou comme elle est. Nous nous rassemblons ici et maintenant autour d'une bonne nouvelle qui est celle de l'amour et de la grâce de Dieu notre Père Céleste, qui nous ont été signifiés par Jésus-Christ, son Fils et notre Seigneur. Vie éternelle, c'est toi qui es Dieu. Il n'y a pas d'autre Dieu que toi. Nous sommes le peuple dont tu es le berger, le troupeau que ta main conduit. À toi seul la gloire, dans l'Église et en Jésus-Christ, la parole éternelle. Amen. Écoutons maintenant la mélodie deux fois du psaume 67b. Seigneur, accorde-nous ta grâce, viens nous bénir et prends pitié, que ta lumière et ta face rayonnent sur le monde entier. Je vous invite à la prière. Ô Dieu Tout-Puissant, nous cherchons ta présence dans le chaos de nos vies. Envoie-nous ton esprit, afin que nous puissions comprendre tes paroles, telles qu'elles viennent vers nous par Jésus-Christ, par les Saintes Écritures. Nous te le demandons au nom de Jésus le Christ. Amen. Écoutons maintenant la première lecture de la Bible tirée du livre d'Exode, au chapitre 34, les versets 29 à 34. Moïse descendit du mont Sinaï, les deux tables du témoignage à la main. Il ne savait pas que la peau de son visage rayonnait parce qu'il avait parlé avec l'Éternel. Aaron et tous les Israélites regardèrent Moïse et virent que la peau de son visage rayonnait. Ils eurent alors peur de s'approcher de lui. Moïse les appela. Aaron et tous les chefs de l'assemblée vinrent vers lui et il leur parla.
Après cela, tous les Israélites s'approchèrent et leur donna tous les ordres qu'il avait reçus de l'Éternel sur le mont Sinaï. Lorsque Moïse eut fini de leur parler, il mit un voile sur son visage. Quand Moïse entrait dans la présence de l'Éternel pour parler avec lui, il retirait le voile jusqu'au moment où il ressortait, et quand il sortait, il transmettait aux Israélites les commandements qu'il avait reçus. Les Israélites regardaient le visage de Moïse et voyaient que la peau de son visage rayonnait. Et Moïse remettait le voile sur son visage jusqu'au moment où il entrait pour parler avec l'Éternel. Écoutons maintenant Chorale, écrite par Paul Barras, qui a vécu de 1925 à 2017. La deuxième lecture biblique est tirée de l'Évangile selon Marc, les versets 1 à 10 du 9e chapitre. Jésus leur dit à ses disciples, « Je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront pas avant d'avoir vu le royaume de Dieu venir avec puissance. » 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il les conduisit seuls à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Ses vêtements devinrent resplendissants et d'une telle blancheur que personne sur la terre ne peut blanchir ainsi. Élie et Moïse leur apparurent.
il s'entretenait avec Jésus. Pierre prit la parole et dit à Jésus, « Maître, il est bon que nous soyons ici. Faisons trois abris, un pour toi, un pour Moïse et un pour Élie. » Il ne savait que dire car ils étaient effrayés. Une nuée vint les couvrir. Et de la nuée sortit une voix. « Celui-ci est mon fils bien-aimé. Écoutez-le. » Aussitôt les disciples regardèrent tout autour et ils ne virent plus que Jésus seul avec eux. Comme ils descendaient de la montagne, Jésus leur recommanda de ne dire ce qu'ils avaient vu à personne jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité. Ils retinrent cette parole, se demandant entre eux ce que signifiait ressuscité. Jusqu'ici, la lecture biblique. Écoutons maintenant deux fois la mélodie de numéro 41-14 de notre recueil de chants. Alléluia. Pour sa lumière, acclamons Dieu. Son éclat brille à nos yeux. L'obscurité jalouse fuit. Un monde neuf s'accomplit. Écoute-le. Voici ce que notre Père Céleste nous dit directement ce deuxième dimanche du temps du carême. Écoutez-le. Je dirais qu'il s'agit ici du 11e commandement qui en fait remplace tous les autres commandements se trouvant dans la Bible. En d'autres termes, les 10 commandements transmis jadis par le truchement de Moïse, tous ces commandements sont devenus caducs. À ne pas retenir, chers frères et sœurs, chers amis, que ce seul commandement descendu du ciel, sortant de la bouche de Dieu, avec une autorité indubitable. Je le répète, écoutez-le. Deux mots, écoutez-le. Cela nous arrive bien souvent qu'une mélodie toute simple tourne en boucle durant toute une journée dans la tête et cela nous embête pas mal. Et il est bien difficile de se débarrasser de ce qu'on appelle en anglais le earworm ou ver d'oreille. Je nous souhaite à tous et à toutes de jouir, je ne dis pas de souffrir, mais de jouir tous les jours dans ce temps du carême de ce refrain-ci. Écoutez-le. Pourquoi ? Parce que ce 11e commandement
qui remplace tous les autres commandements, parce que ce 11e commandement nous procure une joie indicible. Cette imagerie musicale volontaire va faire même briller notre visage. Oui, ça se voit quand quelqu'un est en train de rire intérieurement. Quand on essaie de retenir sa joie ou son envie de rire, alors là, vous rayonnez. Tout le monde devient curieux pour pouvoir partager votre plaisir, votre joie. Écoutez-le. Peut-il se demander, qu'est-ce qu'un chrétien, qu'est-ce qu'une chrétienne? Et la réponse est toute simple. Nous pouvons exercer et méditer notre foi tous les jours dans cette nouvelle semaine. Le 11e commandement consiste seulement en ces deux mots aussi. Écoutez-le. Et il va émerger, j'espère, régulièrement dans notre tête, dans ce temps du carême. Donc notre foi se résume donc en ceci. J'écoute Jésus. Petite précision à faire. Écouter signifie évidemment faire un effort conscient pour vraiment être attentif à quelqu'un. Écouter quelqu'un veut dire prendre quelqu'un au sérieux. Quand un enfant tout agité veut nous raconter quelque chose, nous oublions tout le reste autour de nous pour pouvoir nous focaliser sur les mots et sur le langage corporel de l'enfant. Écoutez-le. Alors, je vous lis tout de suite ce qui est marqué dans notre texte. Donc, de la nuée sortit une voix, celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Et puis, voilà le texte sur lequel je vais attirer votre attention, puisque je viens de vous dire, il faut oublier tout le reste quand on écoute quelqu'un. Alors, le texte dit, aussitôt les disciples regardèrent tout autour, et ils ne virent plus que Jésus seul avec eux. Donc, imaginez la scène. Dieu dit, écoutez-le, et tout ce qui pouvait distraire les disciples a disparu. Le nuage n'était plus là. Il y a Moïse, ces deux figures légendaires représentant l'Ancien Testament. Ces deux figures sont dissoutes dans le vide. Et ce rayonnement presque aveuglant des vêtements de Jésus et son aspect physique ensoleillé, tout cela s'est éteint. Mais quand on veut vraiment écouter quelqu'un, il faut se concentrer sur la personne même et il faut oublier le reste. Durant ce temps du carême, chaque jour, nous sommes appelés, chers frères et sœurs, à diriger nos pensées et notre cœur vers les paroles de Jésus. Écoutez-le. Oui, d'accord. Mais qu'est-ce qu'il a de spécial à nous communiquer alors? Quelle imagerie? Quelles histoires, quelles vérités sont maintenant à l'ordre du jour? Le texte de l'Évangile nous indique exactement de quoi il est question. Donc, écoutez-le, ils ne virent que Jésus, puis ils commençaient à descendre de la montagne. Et écoutons bien maintenant à quoi la voix divine sortant de la nuée fait spécifiquement allusion. Verset 9. Jésus leur recommanda de ne dire ce qu'ils avaient vu à personne, jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité. Continuons un peu encore la lecture. Ils retinrent cette parole, se demandant entre eux ce que signifiait ressuscité. Donc, les disciples doivent se retenir en quelque sorte. Ils n'ont pas le droit de proclamer à haute voix « Jésus, on l'a vu de nos propres yeux, Jésus est au-dessus de Moïse et d'Élie, comme le ciel est au-dessus de la terre. »
n'a pas le droit de dire ça. Ne proclamez surtout pas que Jésus est le roi de mon Messie victorieux qui va en écraser nos ennemis. Non, non, non. Jésus, apparemment, est quand même tout à fait différent. Rappelons l'enthousiasme compréhensible, mais très dangereux, de la foule après ce grand miracle de la multiplication de 5 pains d'orge et de 2 poissons. Jésus avait donc nourri tout le monde. Et les gens étaient hors d'eux-mêmes. Celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. Et Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Est-il tout content? Puisque maintenant, il peut se manifester dans toute sa gloire, puisque le peuple voit en lui le roi promis. Est-ce que, dans leur enthousiasme qui déborde, est-ce qu'ils vont dorénavant l'écouter attentivement? Jésus, dans le texte de l'Évangile selon Jean, Jésus, sachant qu'ils allaient venir l'enlever pour le faire roi, se retira de nouveau sous la montagne lui seul. Donc, il faut l'écouter. Pourquoi faut l'écouter? Puisque les disciples du Seigneur risquaient fortement de projeter leurs désirs, leurs attentes sur Jésus. Sa vie qu'il va donner et qu'il va reprendre pour le salut de la terre entière, sa vie ne peut pas être conçue selon les critères de ce monde. La vie de Jésus, le Fils de Dieu, va paradoxalement passer par la souffrance, par le rejet, par la haine, puis par la mort sur la croix. Alors il aura l'air d'un lépreux, d'un criminel, d'un esclave. Dans sa nature humaine, Jésus va même se sentir abandonné par Dieu lui-même. Puis les disciples ne s'attendaient pas du tout à ça. La vie de Jésus aura une fin, une dimension qui leur dépassera complètement. Personne n'aurait jamais pu s'imaginer un Dieu qui se fait humain, qui, en passant par la mort, obtiendra le salut pour sa création entière. Raisonner ainsi, croire cela, est de la folie pure humaine. C'est pourtant de la sagesse divine complète. Voilà pourquoi il faut écouter Jésus. Il faut le suivre doucement, docilement, durant ce temps du carême. Ne dites à personne, dit Jésus, ce que vous avez vu, jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts. Les disciples retinrent cette parole, se demandant entre eux ce que signifiait ressusciter d'entre les morts. D'autres termes, chers frères et sœurs, chers amis, les disciples n'y comprenaient pas grand-chose. Dans leur imagerie, pour ainsi dire, ils ne rêvaient pas à saisir la souffrance du Christ. Oui, ils croyaient à une résurrection générale, tous les morts, dans un temps bien précis dans l'avenir. Mais comment comprendre que celui qui a brillé ainsi, hein, il fut transfiguré devant eux, devra encore passer par la mort, tout le monde? Comment comprendre une résurrection, pas générale, mais d'entre les morts? Il n'y aura pas une résurrection bientôt, une résurrection générale. Les disciples s'y perdaient dans leur réflexion. Ils ne savent plus quoi faire, quoi dire. Oui, ils s'enfuient quand Jésus a été livré aux Romains. La mort de Jésus sous la croix, ça a été une grande déception pour eux. Ils perdaient toute espérance. Nous avons tous, que par expérience personnelle, que notre vie
connaît beaucoup de hauts, mais souvent aussi et surtout des bas très profonds. On a beau avoir un caractère optimiste, mais parfois c'est l'obscurité parfaite, dirait-on. Qu'est-ce que les disciples auraient dû faire? Qu'est-ce que nous devons faire, finalement, pour quand même expérimenter une paix intérieure qui dépasse tout entendement, que personne ne peut nous l'enlever? Comment éviter que la déprime nous détraque trop longtemps? Comment arriver même à ce que nos visages aient l'air d'émaner une joie rendant jaloux les autres? Écoutez bien, une voix sortant de la nuée nous le dit chaque jour sans cesse. Ce temps du carême sera très fructueux. Écoutez-le. Celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Pas seulement entendre comme on entend un chien qui aboie quelque part. Pas seulement entendre, mais aussi écouter. Prendre le temps. Se focaliser sur l'Évangile. Laisser Jésus tel qu'il est, tel qu'il se présente. Voir en lui, même sous la croix, et surtout sous la croix, la présence de l'Éternel. Son histoire continue. Toujours, et il nous aime. Il est le Fils ressuscité d'entre les morts. Écoutez-le. Toujours.
composé par Johannes Brahms, qui a vécu au 19e siècle, Herzlich Verlangen. Confessons maintenant notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, le Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur. Il a été conçu du Saint-Esprit. Il est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate. Il a été crucifié, il est mort. Il a été enseveli. Il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel. Il est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Et il viendra de là pour juger les vivants. Je crois au Saint-Esprit, la Sainte Église universelle, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Prions maintenant. Dis Seigneur, que notre visage puisse briller, puisqu'il y a cette imagerie musicale volontaire dans notre tête. Écoutez-le. Que par ton esprit insaisissable, que par ton esprit nous sentons près de toi dans notre vie ici-bas, sur cette terre. Durant ce temps du coronavirus, durant ce temps du carême, que l'Évangile, la bonne nouvelle que tu nous aimes, que la mort n'a pas le dernier mot et la dernière parole, que cette bonne nouvelle agisse dans notre vie, tous les jours. Sois ainsi, Seigneur, avec nous, dans cette nouvelle semaine qui est là devant nous. Nous te prions pour ceux et celles qui ont besoin de ta présence, de ta force, de ton accompagnement. Nous les nommons dans une prière en silence. Et notre Dieu, notre Père Céleste, nous voulons aussi t'adresser cette parole que ton Fils nous a apprise. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Quant à la collecte, je vous invite à bien consulter votre livret liturgique si jamais vous l'avez reçu par courriel ou dans l'annonce du dimanche de ce culte. Écoutons maintenant deux fois la mélodie du cantique 44-17. Seigneur, par la clarté de ton amour, chasse l'obscurité qui nous entoure. Toi, Jésus, la lumière qui nous éclaire, vérité qui guide et qui nous libère, brille sur nous, pour aussi dire brille à travers nous.
Chers frères et chères sœurs, allez maintenant annoncer l'Évangile en parole et en acte. Ayez le souci de la justice, de l'amour et de la paix. Allez avec la promesse de rencontrer Jésus-Christ parmi les plus petits de nos frères et de nos sœurs. Recevons maintenant la bénédiction de la part de Dieu. Dieu vous bénit et vous garde. Il vous procure sa grâce. Il tourne sa face vers vous et il vous donne sa paix. Amen. Merci de nous avoir suivis jusqu'ici. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à notre chaîne YouTube ou de liker la page Facebook de notre Église. Je vous souhaite une très bonne semaine qui a commencé aujourd'hui et j'espère vous retrouver la semaine prochaine, le 6 mars.